Salut les amis, c'est le Steph. On se retrouve sur un nouvel épisode de Falling Home avec Yon et Annie. Hein, on essaye de survivre, on va aller dans le désert. Annie a besoin d'une coque de protection, hein, c'est ce qu'elle m'a demandé. Elle n'en a pas. Le problème, c'est que pour la protection de Cog, il nous faut du Turanon. Et si c'était notre seul problème, mais tout irait bien, hein, on serait pas trop embêté. Comme vous pouvez voir en bas à gauche, je suis à 38% de vie et j'ai plus trop d'énergie pour mon réacteur. Le souci, c'est que pour crafter tout ça, bah, réparation de Cog, j'ai juste rien, ni graines, ni Turanon. Et les graines, autant vous dire que dans le désert, j'y crois pas trop. Enfin bon, on verra. Et pour le carburant, bah, c'est la même chose, hein, il nous faut des graines. Donc du coup, on va s'engager là tout de suite dans le désert, mais bon, il y a un petit danger quand même. Alors on va juste dézoomer un peu pour essayer de voir où est-ce qu'on va. Dans la théorie, il nous faudrait rapidement protéger Annie. Je sais pas ce que ça va lui faire le désert, mais je sais qu'elle va pas aimer. Donc la priorité, c'est crafter un truc pour Annie. Ah, il lui en faut 3 et j'en ai 1. Mince. Crotte de bique. Il y en a par là-bas apparemment. Du Turanon. On va peut-être avoir une jolie vue en plus. Oh ! Annie, t'as vu ? Ça, c'est bien, un village autochtone. C'est très très bien, ça. Enfin, c'est très bien, j'en sais rien, en vrai. Mais c'est cool. Ouais. Et je vois qu'on peut avoir des graines par là-bas. Je pense qu'ils ont des cultures. On va déjà la protéger, la cocotte. Protection de coque. Tac. J'adore. Ça finit par une... Quoi ? Quand ça finit par une explosion. Qu'est-ce que tu racontes ? Protège de la corrosion. J'adore les explosions. Les unités d'exploration classiques sont en matériaux anti-corrosifs, mais vous devrez sûrement protéger avec autre chose. Jour 4, les amis. On est bien ou on n'est pas bien? Moi, je vous le dis, on est bien. Comment je quitte le menu? Merci. On est pas mal. On est pas mal. Enfin, on est pas mal. Oui, on est pas mal. On peut le dire. Regardez ça, il y a des antennes. Il y a eu des gens, hein, ici, hein, clairement. Hein. Enfin, on l'a vu, hein, déjà, mais... Mais là, il y a une vraie civilisation. Ça chante. Toi, t'es... Ouais. Elle aime bien la vie, hein, on le sait. Sister connaît la vie. Bon, de toute manière, pour l'instant, on va surtout piquer des graines, on en a besoin. Et la musique. Génial. On va pouvoir... on va se réparer. Avec tout ça, on va être bien. Un grain déjà assez. Alors c'est parti. Réparation de coque, on peut pas. Par contre, on peut se crafter du carburant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On est full. Ça c'est bien. Prochain coup, il nous faut du Turanon maintenant. Et puis on va se remettre un petit peu full grain. Turanon, il y en a juste à côté. Ah bah je sais, hein. Je sais, vous voulez que j'aille visiter le village. Hein. On y va, mais il peut y avoir du danger. Donc on se prépare à fuir. Comme un professionnel, quoi. Un gros lâche, quoi. Ah, parfait. Tac. Je fais tout le tour pour rien. Tout va bien. Pas de stress. Regarde le sol, il a dû pleuvoir récemment. Ah oui, effectivement, ici, c'est moins craquelé. Ce désert n'est pas complètement sec. On va peut-être rencontrer des animaux. T'as fumé, toi. On est juste en train de... On est en grand danger, mais... réparation de coque, on va en crafter 2. Tac, tac. Ah non, c'est là. Et limite, tant qu'on est là, on va se crafter une cellule énergétique de rab. Là, on est pas mal. Quoi, qu'est-ce que tu dis là, ta protection anti-corrosion? Mais... Mais t'es chiante. Ça c'est la corrosion et ça c'est... D'accord.
Donc faut que je fasse gaffe à sa corrosion à Annie. Et également... Annie, attends, je dois te reparler. C'est à toi que je veux parler, Annie, c'est pas à la plante. On a de l'intégrité. Donc je peux aussi la réparer, je suppose. Il me faudrait des plantes pour ça. On va aller rechercher des plantes. Il va falloir qu'on soit bien là, parce qu'on a deux personnes à gérer en même temps, ça va être compliqué. Déjà une, c'était pas simple. Tac. Amélioration mémoire serait une bonne idée. Non mais, t'es gentil, je veux bien, mais c'est pas si simple. Ok, 100%. Pas pour moi, je veux apprendre à oublier, pas à me souvenir. Quoi ? Amélioration mémoire. Donc amélioration mémoire, ça va me permettre de stocker plus, de ce que j'ai compris. Ok, il nous faut du cubus que je n'ai pas de toute manière. Et par contre, ce serait bien si on peut se crafter un circuit facilement. Voilà, du Turanon. Pour l'instant, on va s'occuper du Turanon. Cette merde, j'ai pas... Il y en a pas. Il y en a par là-bas. Bon, on va visiter. Bah non, on va visiter. On va arrêter de tourner autour. Je vais quand même prendre ça si je peux. Parce que les graines, je suis pas sûr d'en retrouver des masses après, en fait. L'utilité de l'amélioration mémoire, pour le coup. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Comment ça, ces arbres vont pousser? Moi je m'en fous, je ramasse tout. Donc là on a un petit peu de champignons. Ah donc là on est vraiment quelque part où où il y a eu des gens. Hein. On se rend compte qu'on est tout petit. D'accord. On peut rien fouiller. Tiens, ça on peut prendre des photos de Nick. Je sais pas à quoi ça sert, mais on prend. On va aller visiter. Là on va tout visiter. Hein. Moi je veux voir, hein. Je veux comprendre ce qui se passe ici. Oh, il y avait des enfants. Alors ce que vous avez entendu, c'était mon téléphone. J'ai pas suivi ce que disait. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Ce serait marrant qu'on trouve des gens. Ok. Et bien ce petit village. Je vais passer par là rapidement pour récupérer du Turanon. Hein. Il faut. Voilà, bon, ça c'est fait. On va pouvoir crafter tout de suite du coup, pendant qu'on y pense, les circuits. Et c'est tout, hein, parce que de toute manière, pour le reste, il nous faut les espèces de déchets radioactifs bleus là. Ah, d'accord. Voilà. Bah t'as qu'à rester là, tu sais quoi. Pour ce que t'es utile, je veux pas être méchant, mais... Voilà, reste là pendant qu'il fait moche, moi je m'en fous de toute manière de ça. On va aller visiter par là. Non mais elle est chelou Annie, parce qu'en fait elle milite pour que l'oxygène revienne sur je crois P1, donc notre planète d'origine. Mais elle peut pas supporter l'oxygène, donc c'est un peu con non? Hein? Des bouées? D'accord. Alors ça c'est bizarre les bouées. Comment on grimpe? Qu'est-ce que c'est que ça? Changer. Énergie insuffisante, je comprends pas. Le problème c'est qu'on est tellement loin du vaisseau qu'il nous indique plus ce qu'il faut faire. Donc faut vraiment se débrouiller tout seul là. On va partir, on va continuer à visiter, peut-être qu'on va trouver ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on va pas aller voir là-bas?
Et du bruit. Changer. Ça doit être chargé, non, plutôt. Un puits, je suppose. Là-bas, il y a une espèce de citerne en hauteur. On va dézoomer un peu pour essayer de voir plus. Il y a quoi par là? Il est où le vous êtes ici? Je pense qu'on est à peu près là, du coup. A priori. On va aller voir. Ah bah, t'as qu'à revenir, ça, il fait beau maintenant. F. Voilà. Et elle a pas tort. Oh, quoi? Oh, les... Ça... explosé. Ah, ça rigole moins, hein. Oh, la vengeance. Comment ils ont pu me faire chier, ceux-là. Encore du terrénium à récupérer. J'entends pousser, il est proche. Mais attends, il y a de la matière noire et tout, là-bas, j'avais pas vu. Plein d'espoir. Parce qu'elle, elle a besoin de ça pour survivre, si je me trompe pas. C'est bizarre, c'est... Je pensais avoir fait le tour du village, mais il y a plein de trucs à récupérer, là. Alors là-bas... Non. Hé hé! Ici, voilà. Très bien, ça, on a besoin. Tac. Alors, on va pouvoir se crafter notre amélioration de mémoire. Tu n'as toujours pas trouvé ce matériau chantant. Oui, bah t'es gentil. Attends deux secondes. Hein. Tac! Donc maintenant, on peut... logiquement, avoir plus de choses à stocker. Du coup, on peut ramasser tout ce qu'on veut maintenant. Oh, t'es encore là, toi. D'accord. Du ferron. Tiens, on va aller par là-bas, je pense. Et du coup, je comprends pas trop. Je comprends pas trop ce qu'on cherche ici, en fait. Parce que moi, bon, les ressources, oui. Alors, je suis content de manière. Ouais, il y a des ressources, je suis content. Je suis quelqu'un de simple, hein. J'ai pas besoin de... Tac. Ça se ramasse, non. On va aller rechercher les champis. On fait du stock, hein, tant qu'on est là. C'est peut-être un peu chiant, j'avoue, mais... On se casse. Hey. Allez, ça on récupère. Il n'y a rien à prendre. Je sais pas ce qu'il y a, peut-être en hauteur. Hop là! Oula, j'étais un peu haut. Non? Aïe! Interagir avec Annie. Ouais. Je sais pas, on va partir, non? Cocotte, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Vas-y, P. Elle. Bon, on va y aller. On va voir un peu ce qu'il y a là-bas. À moins qu'elle me dise de revenir en arrière. Thank you.
Ah, je peux pas la trouver. D'accord, on va faire ça. On va rapporter ça à Sister. Le but, c'est de survivre pour l'instant. On va ramasser ça. Ah, c'est pas le bon chemin. Mince. Comment on va, chemin? Comment on va voir Sister? J'adore, il est énervé. Ok, bon. C'est pas le chemin pour Sister, ok. Mais c'est où le chemin pour Sister alors? C'est là-bas? Suis-moi, cocotte. Parce que d'habitude, on est là. Non? Il y a 1, 2, 3 antennes. On peut essayer d'aller à une antenne si tu veux, cocotte. Elle est où? Elle est là. On va essayer de passer là-bas alors. T'es compliqué, Annie. Hein, je dois te le dire. T'es gentil, mais un peu compliqué. Alors, on va essayer d'aller là-bas. Je sens qu'elle pourra pas me suivre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Elle tire. Mais je veux bien, poulette. On va retourner là-bas. Ça doit être par là-bas, je suppose. Oui, d'accord, d'accord. On devrait retourner chercher une solution dans le village. Ah bon? On va bien. On a raté un truc dans le village. Bon bah faut trouver. C'est parti. Il y a un puits. On va peut-être aller dans le puits. Peut-être que ça va nous donner un tunnel, quelque chose comme ça. Ouais, on va faire ça. C'est peut-être la solution. Je sais pas. Tu devrais m'écouter ton... Ouais, non, mais ça va, hein. Alors. Non, c'est pas ça. Bah, dis-moi ce qu'il faut faire. Alors, cocotte, je comprends pas. Une solution, je veux bien, moi, une solution. Je réussis pas à lire, moi, ça, je comprends pas ce que c'est ce qui est marqué, là. Ah, il y a... Regardez, là-bas... Attendez, attendez. Là-bas, d'après... D'après mon compas, il y a un truc à choper, là-bas. Moi, ce qui me gêne, c'est que là-bas, on dirait quand même une belle tempête de sable, là. Et Annie, elle aime pas le sable. Terrenium. Si je pars, tu vas me faire la gueule, non? Si on part par là-bas. Ah oui, c'est... C'est par où on vient, c'est la crevasse. Ouais, il y a un truc à faire dans le vaisseau. Un des indices qu'elle nous a donné, Annie, c'est que... il y a peut-être possibilité de partir vu qu'ils ont réussi. Donc il y a peut-être une sorte de vaisseau à trouver, je sais pas. Enfin, on dirait pas. Ah, je sais! Je sais, je sais. Peut-être qu'avec le térénium qu'on a trouvé, je crois que c'est du térénium, on va peut-être pouvoir allumer les espèces de lampes que j'ai vues là-bas. Là, il y en a une. Changer. Putain. Putain. Il y a des choses là-bas qui sont allumées. Regardez. Là-bas, là. Il se passe un truc, là. Passé là,
Je pense que le jeu a dû croire que j'étais bloqué, je suppose. Ça doit être une téléportation en cas de problème. Bon, en tout cas, j'ai trouvé. Là-bas, on voit bien qu'il y a des espèces de. Ça se voit mieux la nuit. Il y a des choses là. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Réparer générateur. Ah! Alors. Purge circuit. Oh, ah! Et là, on a téléporteur. Eh bah. Il a craché une espèce de virevoltant effrayant. J'ai rien vu cracher. D'accord. Bon, on y va, hein. Allez. Ah, nous voilà dans la forêt. On est à 500 mètres de probablement notre vaisseau. Hi again, Ion. Ah, voilà, Sister. Ok, on est reparti. Sister, is that what you call your ship? Arnie, may I introduce you to EU underscore 18 TR289-65? A 150% exploration unit, with no capacity to understand life or beauty, or humor. It is the official opinion of EU underscore 18 TR289-65 that TR2 would be a completely inappropriate descriptor. Arnie, Ion, the two of you should take a look around. TR2 and I will analyze the data and decide what to do. Sis. PC underscore 21 SST391 lowercase v23 is not in any position to give orders, but is correct. Ok. Ah, tu l'as appelé Sister. Alors, I absolutely did not. Je pense que. On try to find resources you can use to protect the loudmouth. Pour protéger la bavarde. Alors, de quoi il parle? That's impossible. Elle chante une petite chanson. Ion, please check that sample in with the cargo interface. Ah. You'll find it outside, under my belly. C'est pas le coup que je parte. Hein. Quand enfin savoir à quoi sert cette interface ici. Thank you very much. Oh. I'll let you know as soon as I finish my analysis. Yeah. Ça doit être l'espace de stockage, je suppose. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire là, il y a 430 mètres à faire. De toute manière, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est pas grave. Les amis, épisode un peu plus court, mais c'est pas très grave. Je pense que c'est vraiment le bon moment pour s'arrêter avant de découvrir autre chose. Je vous fais tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et à ciao, bye bye. This growing matter you found, physics predicted it could exist. But only if certain universal constants were slightly different. It's a mineral life form we call tetrarium. But here's the thing. It weighs only 1.63% of what it should, and that could help us find a way off this planet. Ion, you don't have the hardware necessary for recognizing mineral life forms. But Arnie can hear them, so protect her. She's deteriorating quickly. Ok, allez les amis, prochaine fois on se craft la sonde lumineuse. Annie, tu dis au revoir. Allez, ciao, bye bye.